Space auditrice, space auditeur, bonjour. On se retrouve pour un nouvel épisode des Brèves Spatiales, la série dans laquelle je vous résume l'actualité spatiale toutes les deux semaines et qui sort normalement le dimanche, mais que j'ai exceptionnellement repoussé d'un jour pour pouvoir parler de deux lancements supplémentaires. Au menu de ces brèves du 7 au 21 mai, donc, on parlera des ambitions chinoises pour la Lune, des ambitions américaines pour Mars et d'assistance gravitationnelle. C'est parti, ici Star Command pour un résumé de l'actualité des deux dernières semaines. Star Command, come in. Do you read me? Et direction l'Empire du Milieu pour commencer, plus précisément dans la province du Shaanxi où se trouve Taïwan. Le 8 mai, une longue marche 4C décollait vers le sud pour déposer sur une orbite héliosynchrone à environ 700 km d'altitude sa charge utile Geofen 5. Ce satellite d'observation terrestre devra étudier les ressources maritimes et terrestres, la composition de l'atmosphère et donc sa pollution, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre. Il s'inscrit dans le programme civil KEOS pour Système chinois d'observation de la Terre en haute résolution, qui assure au pays une relative indépendance dans l'acquisition de telles données, notamment indispensables au suivi de changements climatiques et à la gestion des catastrophes naturelles. Le vol du lanceur à 3 étages s'est bien déroulé et Geofen 5 a correctement rejoint son orbite où il devrait opérer pendant environ 8 ans. C'était le 14e lancement chinois de 2018, dont l'objectif de 40 lancements sur l'année semble toujours atteignable. On part maintenant pour Cap Canaveral en Floride où devait avoir lieu le 10 mai le lancement du premier satellite géostationnaire de télécommunication du Bangladesh, Bangabandhu 1. Et autant ce satellite de 3,7 tonnes produit par Thales Alenia Aerospace a focalisé l'attention des Bengalis et à juste titre, autant le reste du monde n'avait d'yeux que pour le taxi, la Falcon 9 Block 5, soit la 6e et dernière itération du lanceur de SpaceX. Après une interruption du compte à rebours à 1 minute du lancement, le décollage a finalement été reporté et a eu lieu le lendemain. Après 53 vols de Falcon 9, SpaceX a enfin fait voler la version définitive de son lanceur partiellement réutilisable. Dans les dernières modifications que vous pouvez retenir, la puissance des moteurs Merlin-1D a été améliorée de 10% à nouveau. Les ailerons grillagés, appelés grid fins, adoptent définitivement le titane au détriment de l'aluminium, notamment pour résister aux températures extrêmement élevées de la réentrée atmosphérique. Les pieds d'atterrissage sont désormais rétractables, il ne sera plus nécessaire de les démonter après l'atterrissage puis de les réinstaller en position repliée pour le vol suivant. Et certaines parties du lanceur apparaissent maintenant noires, notamment le connecteur d'étage qui est en fibre de carbone et qui n'est pas peint pour éviter une perte de temps et de rajouter du poids. Il y a encore bien d'autres évolutions techniques et je ne vais pas plus rentrer dans le détail, mais peut-être allez-vous me demander « Ça sert à quoi ?» Eh bien ça sert à enfin obtenir le lanceur le plus efficace du marché tel que l'avait pensé SpaceX il y a de ça une décennie. Juste avant le vol, Elon Musk a donné quelques chiffres sur ce que fera ce Block 5. Théoriquement, le premier étage pourra voler une dizaine de fois sans maintenance et plusieurs centaines de fois au total. Le temps nécessaire pour le faire redécoller est considérablement réduit. SpaceX souhaite d'ailleurs réaliser deux vols du même premier étage en moins de 24 heures l'année prochaine. Au total, Musk a annoncé vouloir réaliser 300 vols sur 5 ans et à un prix déjà réduit puisque le coût pour les clients passe de 60 à 50 millions de dollars, c'est-à-dire d'un prix dérisoire à un prix ridiculement dérisoire par rapport au reste du marché. Par ailleurs, la Falcon 9 a atteint enfin les capacités espérées. Alors que sa première version ne pouvait placer entre guillemets que 9 tonnes en orbite basse, ce Block 5 peut emporter 22 tonnes. Enfin, lorsque la Falcon 9 aura réalisé 7 vols dans cette configuration sans que d'autres modifications substantielles y soient apportées, elle devrait officiellement être qualifiée par la NASA pour transporter des astronautes vers l'ISS. Bref, pour résumer tout ça, je pique à Eric Berger, l'excellent reporter spatial d'ARST Technica, sa formulation, la Falcon 9 Block 5 marque la fin du début de SpaceX. Pour revenir à nos moutons et à ce vol inaugural du 11 mai, sachez qu'il s'est parfaitement déroulé, le premier étage s'est posé sans encombre. Seul petit détail pour le moment, on a constaté que les ouvriers de SpaceX ont finalement été contraints de démonter les pieds du lanceur après l'atterrissage, alors que je vous le disais, ils sont censés pouvoir se rétracter sans être démontés. Cela étant dit, il n'y a rien de choquant pour un premier vol, la compagnie a forcément besoin d'un petit délai de rodage. De son côté, Bangabandhu 1 a bien rejoint son orbite géostationnaire pour le plus grand plaisir du Bangladesh. On pourra d'ailleurs noter que c'est la troisième fois que SpaceX permet à des pays en retard ou en cours de développement de se doter de leur premier satellite, comme ça a été le cas avec la Bulgarie et le Turkménistan. On revient maintenant en Chine, dans le nord-ouest du pays, mais je ne saurais pas vous dire où précisément, puisque OneSpace n'a pas révélé le lieu duquel a décollé la première fusée privée chinoise ce 16 mai. OneSpace, qu'on compare parfois un peu abusivement à SpaceX, a annoncé avoir réussi le vol de test de son petit lanceur suborbital OSX, qui a atteint une altitude de 40 km environ. Rien d'exceptionnel, me direz-vous, sauf que ce vol de test marque l'entrée de la Chine dans le New Space, dans l'ère de la conquête du secteur spatial par des acteurs privés. Tout cela est conforme à la volonté du gouvernement chinois de devenir une superpuissance spatiale qui avait dans ce but autorisé le secteur privé à s'attaquer au lancement de satellites dès 2014. Même s'il ne s'agissait que du premier vol privé, les entreprises se multiplient déjà. On peut donc citer OneSpace, mais aussi LinkSpace, qui envisage la réutilisation de lanceurs à la manière de SpaceX, iSpace, LandSpace, XSpace, etc. Pour ce qui est de OneSpace, l'entreprise
L'entreprise espère réaliser le premier vol de son lanceur orbital OSM-1 qui doit pouvoir apporter quelques centaines de kilos de charge utile en orbite basse d'ici la fin de l'année. On suivra donc ça de près. Et en attendant que le secteur privé chinois domine le monde, l'agence spatiale chinoise est partie à la conquête de la face cachée de la Lune depuis la base de Xinjiang. Ce 20 mai, une longue marche 4C a propulsé en direction de notre satellite naturel l'orbiteur Kekayo qui servira de relais de communication entre la Terre et le rover de la mission Change 4 qui devrait se poser à la fin de l'année sur la face cachée de la Lune. Cette mission bénéficie du succès de la précédente, Change 3, que les Chinois avaient suivi avec attention, à tel point que Change 4 a attiré les Européens qui s'invitent dans la mission avec quelques instruments, notamment emportés par l'orbiteur qui a décollé hier soir. Il devrait bientôt s'installer au point de Lagrange L2 en orbite de Halo. Alors déjà, les points de Lagrange sont 5 points que possède tout système à deux corps liés gravitationnellement, comme la Terre et le Soleil ou la Terre et la Lune. Ces 5 points sont des endroits où le cumul de l'attraction gravitationnelle des deux corps est tel que ces points accompagnent le mouvement de ces deux corps. Autrement dit, si on place un petit objet, comme un satellite par exemple, à l'un de ces points de Lagrange, il semblera immobile par rapport aux deux autres corps. Dans notre cas, le point de Lagrange L2 du système Terre-Lune se situe derrière la Lune par rapport à nous, sur la ligne qui passe par la Terre et la Lune. Ce point L2 effectue donc une révolution de la Terre en même temps que la Lune, en restant toujours à la même distance d'elle. Ensuite, une orbite de Halo, c'est une orbite autour de ce point L2, donc concrètement, une orbite autour de rien. Ce que je trouve assez génial. Mais en réalité, cette orbite de Halo n'est pas parfaitement stable et requiert donc des corrections propulsives pour s'y maintenir. C'est ce que fera Kekayo, car en orbitant autour du point L2, il pourra voir la Terre en même temps que la face cachée de la Lune et donc assurer sa fonction de relais sans interruption entre le futur rover et la Terre. Mais revenons-y sur Terre, ou du moins en orbite basse terrestre, pour le dernier lancement qui a eu lieu depuis la Virginie ce 21 mai. Un lanceur Antares emportait le cargo Cygnus d'Orbital ATK avec 3,7 tonnes de fret pressurisé à destination de la Station Spatiale Internationale. Ce 8e vol d'Antares, qui n'a jamais emporté autre chose que des Cygnus, s'est bien passé, le cargo est maintenant en route pour l'ISS. Il devrait y arriver jeudi pour un arrimage vers 11h du matin. Les astronautes déchargeront ensuite les provisions en oxygène, en nourriture, en eau, en expériences scientifiques et en d'autres choses qu'il contient. Il devrait ensuite rester accroché à la station jusqu'en juillet, avant d'être chargé en déchets et d'aller brûler dans l'atmosphère. Et c'est tout pour ces deux semaines en termes de lancement, mais restons dans l'ISS, puisque les astronautes de la NASA, Drew Fussell et Ricky Arnold, se sont dégourdis les jambes en réalisant une sortie extravéhiculaire le 16 mai. Malgré leur encombrante combinaison spatiale de plus de 50 kg, ils ont rempli avec facilité leurs différentes missions, dont la principale était de déplacer des pompes entraînant de l'ammoniac liquide dans un circuit fermé, un système servant à réguler la température des batteries qui emmagasinent l'énergie des panneaux solaires. Cette régulation est indispensable puisque les batteries alternent entre obscurité et exposition directe au soleil, ce qui aboutit à des variations brutales de température allant de moins 150 à plus 150 degrés Celsius. Tout s'est bien passé et le duo expérimenté qui cumule 80 heures de balade dans le vide spatial s'apprête déjà à réaliser une autre sortie programmée pour le 30 mai. Voilà pour ces deux semaines, Star Command, over. Les chiffres et les lettres de ces deux semaines maintenant, et d'ailleurs cette fois c'est un chiffre et une image. 200 000, c'est le nombre d'étoiles que l'on peut voir dans ce cliché pris le 26 avril par TESS, le télescope chasseur d'exoplanètes de la NASA. Nous avions suivi son lancement ensemble et avec Raphaël Galichet, avec qui nous avions discuté de la recherche des exoplanètes. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'émission sur YouTube ou en podcast sur SoundCloud, alors qu'il était encore en train de rehausser son orbite terrestre. L'une des 4 caméras de TESS a réalisé cette photo avec un temps de pose de 2 secondes. On peut donc y voir la constellation du Centaure ainsi que Beta Centauri, ce point lumineux en bas de la photo, une étoile à près de 400 années-lumière de nous. Mais cette image n'est pas officiellement ce que l'on appelle la première lumière d'un télescope puisque les 4 caméras n'ont pas été utilisées. On devrait avoir cette première lumière d'ici juin. En attendant, le 17 mai, TESS a réalisé son assistance gravitationnelle en passant à seulement 8000 km de la surface de la Lune. Je vous rappelle le principe grâce à cette simulation, le satellite passe suffisamment près de la Lune pour que son attraction gravitationnelle modifie sa trajectoire, comme vous le voyez ici. Dans ce cas, c'est surtout l'inclinaison de l'orbite de TESS qui est considérablement modifiée, ce qui lui permet de rejoindre l'orbite finale totalement inédite qui était pensée spécialement pour la mission de ce télescope. L'animation, qui n'est bien sûr pas à l'échelle, était réalisée sur Kerbal Space Program par l'excellent Dakites, que je remercie grandement et que je vous invite à suivre sur YouTube si vous voulez voir ce qu'on peut faire de fou avec KSP ou si vous voulez vous y mettre, puisqu'il se lance dans un guide pour débutants. Et si vous voulez une explication plus détaillée de l'assistance gravitationnelle ou de ce à quoi va servir Test, je vous renvoie mes brèves spatiales du 9 au 22 avril. Côté lettres, maintenant, c'est Jim Bridenstine, encore lui, l'administrateur de la NASA, qui nous parle. Il y a 2 semaines, je vous le présentais, en train d'annuler un programme de rover lunaire. Cette fois, il confirme un programme d'hélicoptère martien. Oui, d'hélicoptère martien.
Le projet est dans les cartons depuis quelques temps et l'idée même d'envoyer un véhicule volant plutôt qu'un rover sur Mars n'est pas neuve. Plusieurs projets ressemblant à des avions avaient été proposés. Cet hélicoptère partira donc en juillet 2020 avec la mission de la NASA Mars 2020 qui prévoit de poser sur la planète rouge une copie conforme du robot Curiosity. Il aura notamment pour mission de prélever des échantillons sur place et de les renvoyer sur Terre. Et ce rover aura donc pour éphémère compagnon MHS ou Mars Helicopter Scout. Pendant ces 30 jours de mission, il aura un double objectif de reconnaissance et surtout de démonstration de technologie. En réalisant de petits vols à quelques mètres du sol, il doit pouvoir fournir des images bien différentes de celles auxquelles nous sommes habitués, qui sont prises à même le sol ou par des orbiteurs à plusieurs centaines de kilomètres d'altitude. Mais au-delà de ces photos, intéressantes mais pas cruciales, c'est l'hélicoptère lui-même qui intéressera la NASA. L'atmosphère martienne étant extrêmement fine, voler au niveau du sol revient à voler à près de 30 km d'altitude sur Terre, ce qu'aucun hélicoptère n'a jamais fait, le record étant fixé à 12 km d'altitude. Pour s'assurer une portance suffisante, les rotors des MHS devront donc tourner beaucoup plus vite, à environ 3000 rotations par minute, c'est-à-dire environ 10 fois plus qu'un hélicoptère standard. Les contraintes mécaniques qui en résultent sont donc inédites et le déroulement des quelques vols de test, d'une ou deux minutes à chaque fois, seront scrutés et analysés attentivement. Cette mission devra déterminer si l'usage de tels véhicules est justifié pour l'exploration de la planète rouge. Et pour finir, on passe au tableau des départs des deux semaines à venir, un tableau des départs bien vide, peu de lancements prévus, mais on suivra le décollage le 6 juin d'un Soyouz FG et de sa capsule Soyouz MS-09 qui abritera la relève de l'équipage de l'ISS. Le russe Sergei Prokopiev, l'américaine Serena Onion-Chancellor et l'allemand Alexander Gerst s'envoleront vers 13h pour un trajet de 2 jours environ avant d'aller prendre leur quartier dans la station spatiale internationale. Et voilà, c'en est fini de ces brèves spatiales du 7 au 21 mai. J'espère qu'elles vous auront plu et informé. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires et je compte sur vous pour me faire part de vos remarques, critiques et conseils pour m'améliorer. Pensez aussi à vous abonner et bien sûr, mille merci à ceux qui partageront cette vidéo et m'aideront à faire grandir la communauté des Space Auditeurs et Auditrices. Encore merci à Dakites pour sa simulation KSP, le lien vers sa chaîne dans la description. Et bien sûr, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans 2 semaines. C'était Arthur pour Space Oddity. Portez-vous bien et Blue Sky.